Mais salut à toutes et à tous cette année, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Supermarket et toujours dans le magasin où j'ai payé 200 balles. Vas-y, pousse-moi, vas-y, on dit rien. 10 balles, 200 balles pour, pour 10 lattes, hein, on va dire. Pour 10 zones, je sais pas comment on peut dire ça, mais ça fait cher. Et du coup, là, on va encore dépenser de l'oseille. Et j'ai même pas. Ah, j'ai même pas assez. Voilà, j'ai assez. Voilà. Maintenant, j'ai assez. Je l'avais oublié qu'il fallait le payer, lui. Et comme les factures. Putain, c'est vrai que les factures. Ah, ça, c'est encore un truc, ça. J'ai pas accès. Ah, j'ai accès pour ça. Ok. Bon, là, c'est dommage. Parce qu'en fait, dans les factures ici, c'est pas écrit c'est quoi. Je sais pas, c'est l'électricité, tu vois. Là, tu vois que c'est le loyer. Mais là, t'as écrit juste facture. Peut-être que dans l'avenir, il va y avoir d'autres choses comme facture. Facture automatique de livraison ou pas. Allez, boss, là, fais pas chier, là. Ah, moi j'ai toujours pas ouvert non plus. Tu vois? Je critique, mais. J'en fous pas une, hein. Ah bon, tu me diras. La vitesse où il va, lui. C'est bon, le paquet qui restait de chaque appli, il aurait pu le foutre au-dessus, tu vois? C'est encore des cartons en plus qui vont traîner, ça, les gars. C'est encore. C'est à côté de l'oseille, ça. Première cliente. Voyez voir comment il a rangé ça parce que bon. Oh là là, monsieur, organisé, monsieur. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'achète des lampes ici. Mais bah, ça va attendre. Hein. Oh, madame. Oh, je kiffe la musique. T'as vraiment l'impression d'être dans un truc de ouf. Bienvenue chez Tony. En quoi puis-je vous aider, madame? Je vais passer vos articles pour vous. Et voilà, ça fera 26 euros. Et le pourboire. C'est le mec qui s'énerve parce qu'il n'y a pas de pourboire. Putain. C'est toujours comme ça. Hein. Toujours comme ça. Bon, logiquement, dans les trucs comme ça, avec la musique comme ça, c'est un peu luxueux et tout. Mais t'es toujours pour moi. Hein. T'as pas trouvé Crispy? Hé! Elle a pas trouvé Crispy là! Dépêche-toi là! On tape à la porte parce que l'autre. Allez, oh! Elle a pas trouvé Crispy là, madame là! Arrête de boiter, t'es. Comment tu sais pas comment ça me saoule avec tes chaussures? Allez, vas-y! Tu vois? Cette tête est tout petit. Et tout petit, on dirait moi. C'est pas moi ça, par contre. Y a plus de thé, y'a plus rien. Y'a plus rien dans ce magasin. À niveau 22. À niveau 22, ça va être long. Hein. On va avoir un deuxième gars qui bosse avec lui. Madame. Ah. Venez de rompre, vous. Un peu de gâteau au chocolat. Moi j'ai pas regardé les autres, on va regarder, c'est un peu un système de fleurs et tout. Loyer, allez, vas-y, 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 parce qu'après tu connais. Ça va commencer à me saouler. Ah, fais voir l'essence. C'est même dans le futur. Hein. Des bières, des gâteaux, adoucissants et surtout. Des livres. Du italien, pour chat, pour chien. Ok. Pizza, ça fait un truc qui est surgelé, je pense. Parmesan. À 12 000 quand même. Ça fait cher. Il n'y a pas de fleurs. Ah ouais?
Ouais, pas de fleurs. Ah ouais. Je pensais. Dommage. Ah, lui, il a une sacrée mamie, lui. Ouh, je pense qu'on va embaucher une caissière, hein. Allez, c'est parti, les gars. Pas vraiment de... Oh, tu sais quoi, on fout de ça, là? Ça, là, passera pas. Elle passera pas, là, madame. Ah, c'est fermé, c'est fermé. Oh, 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 oh. Je suis en train de placer, là, tu vois pas? Allez, vas-y. Elle est où? Allez, c'est un fou. Donc là, attends, je m'en fous, c'est pas moi qui va le faire. Allez, caissier. Oh, oh, beau gosse. Ah, peut-être que j'aurai plus de clients parce que les mecs, certains mecs payent en espèces. Et c'est quoi, ACB? La caisse auto? Ah ouais? Après, moi, je préfère toujours passer par les caisses. Il est parti où, lui? Alors, tu dors ou quoi? C'est incroyable, ça. Ouais, que le mec qui dort. Et au boulot, hein. Ah oui, tu vois, les clés, elles trouvent rien, là. Au boulot. Le mec, j'ai pas vu pendant 5-10 minutes, je crois. Et le mec, il... Au clope, il se permet. Hein. Les clés, elles se plaint, après. Moi, j'ai des mauvais avis Google, les gars. Bah, pas, ça. Alors, comment ça se passe, ta journée, toi? T'es content? Un sourire, ça... C'est très bien, hein, quand même. Hein? Non? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur, pardon. Ah, c'est fou, hein, que les clients ne trouvent rien ici. En vrai, je pourrais l'aider, tu vois, mais... J'ai pas envie. J'ai pas envie de l'aider. C'est quoi? C'est les œufs. Allez. Allez, on va l'aider un peu. Pour le faire chier, on va laisser le carton ici. Allez. L'huile d'olive. Après, pas me faire chier, il va ranger. Moi, je l'avance sur son boulot. Monsieur, s'il n'est pas content, j'en ai plus de fromage. Ah, il l'avance d'une lenteur, d'une lenteur. Et bientôt 21h. Oh, comme par hasard. Hop là, c'est bon pour madame. Allez, hop, c'est fermé ça. Pas de mie, du coup, pas de mie. Putain, c'est fou que je te fasse. Ah merde, je me suis trompé. Hop, attends. Allez hop, t'as rien vu. Je capique. Tiens, putain, les mecs. Hein. Je te jure, hein, faut. Oh, c'est lui. Je me disais que c'est qui. C'est qui passe assez comme Starcy. Les employés, ça y est, ils s'amusent. Viens, ramasse. Pas chier. Les bonbons. Ah putain, organiser. C'est juste de gérer un magasin. Hein. Fromage, j'ai déjà mis le fromage. La carotte. Tu restes comme un poteau, vas-y, ramasse là. Ah, c'est fou, on peut plus rien demander aux employés maintenant. Allez, une belle journée, les gars. Alors, c'est comment? Ah, ça bosse ou pas? Voilà. Toi, tu aides pas, toi. T'as décidé de... Oh, je suis à ma caisse. Est-ce que moi, t'as fait ta caisse? Est-ce qu'il y a de l'argent, de la monnaie? Hein, parce que je suis même pas sûr. Hein?
tu regardes en face depuis tout à l'heure, là. Et puis hier soir, d'ailleurs. Ok, j'espère que c'est pas une fille que tu chopes, mais... De toute façon, bientôt, on va changer la devanture. Ça t'aura une vitre en face de toi. Incroyable, là-dessus. Regardez comment il fixe. Regardez. Putain, salaud. Je mets des vitres teintées. Les vitres teintées inversées. L'étude de vitres teintées, c'est que tu vois pas de l'extérieur. Là, ça sera inversé. Tu vois pas de l'intérieur. Comme ça, lui, il verra rien en face. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Tu galères, toi, ou quoi? Allez, attends pour ouvrir, moi. Allez, boulot. J'aime pas ce qu'il te faut en plus. Ah, putain. Incroyable, qu'est-ce qu'il te faut? Faut du Nutella. Allez, t'as pris quoi là? Allez. C'est fou qu'il faut tout faire soi-même ici. Putain, il a plaqué où quand on était là dessus? C'est incroyable. Ah bah il n'est plus. Et c'est pas celui qui va le dire. Ah même pas. Putain, faut arracher, c'est ça? A plus le dire, hein. Putain. Après avec 900 balles, j'ai les moyens. Alors, on était là, bah zéro. Alors, est-ce que... Bah oui, on a des faillites. C'est quoi, moi, taper 3? Je préfère en prendre 3 aussi. Je suis que ça va partir vite. Ça, c'est bon. Chapitre 2. L de 3 aussi. 14. Vas-y, je t'en prends un quand même. L de 3. L de 3. Ça, je t'en prends un. 1, 2, 3 même. Calories, on est bon. Les gâteaux, les gourtes, ça. Vas-y. Tu vas tout remplir là. Est-ce que ça va faire une bleue là? C'est là la farine bleue. Voilà. Bah garçon, mais tu mets trop de temps. Bah oui, je suis trop rapide pour toi, mon gars. Les pastas, c'est comment? Voilà. Tu vas pas foutre ça dans les pieds des clients non plus. Alors, c'est comment là? Qu'est-ce que tu mets là? Était là, ok, je chope le chocolat. Et le chocolat, il est où le chocolat? Il est où le chocolat? J'ai même pas vu ce qu'il a pris. Regarde, dégage toi. Tiens, pose là. Alors, je te remplis le chocolat, t'es content? Incroyable, ces salariés, incroyable. Tiens, pose ça là. Je pense qu'il va se sortir là quand même tout seul, non? Y'a quoi? Y'a des yaourts qui se battent en bataille. C'est bon pour ouvrir, c'est bon. On a un peu de tout. La petite musique là, pour se mettre bien. Je crois que c'était 250, je crois. On va éviter. Bonjour monsieur. Je vais te remplir là, voilà. Et il faut 650 euros pour en faire de voiture. Ça, c'est pas vite. Hein. Et ça coûte combien pour agrandir le. Le stockage, ouais. C'est ce que je m'intéresse. 800 balles. Et après 1200. Oh, ça coûte de l'oseille quand même. Hein. Ah, quand même des petits frises de temps en temps.
Je sais pas, c'est dû à quoi? Avant le Mister, j'avais pas de freeze. Depuis je l'ai, j'ai mis les freeze. Oh, c'est trop cher, arrête de foutre de ma gueule, toi. Tu vas chercher la merde, tu fais ton délire, et puis voilà. Tu rates mon procès. Ça veut dire quoi, ça? Incroyable, ce mec. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur. T'imagines, t'achètes un yaourt à pain. Tu deviens fou. Je pense que tu deviens fou, je pense. Elle fait de ses gueules. Oh, tu sais à qui il me fait le rappeler, lui? Il me fait penser à Sid. Sid dans la jeunesse. La vérité, j'ai l'impression qu'il lui ressemble. Ah, quoi, la nouvelle licence là? Faut de l'oseille. Bon, il me faut aussi 540. Allez, vas-y, 3 sels, des gourtes. 4 gourtes. Ça va, on a le droit à la nouvelle licence. J'ai dit qu'on apprendrait pas pour la prochaine vidéo. Mais qu'est-ce qu'on va choisir? De toute façon, on n'a pas le choix. Faut acheter un frigo. Sinon, ce sera plus de ça. Ça coûte de l'oseille aussi, ça. Cette merde. Ça coûte de l'oseille. C'est qui est en train de fouiller dans les cartons là-dessus. Ah, commence à être pas mal, hein. Un petit caissier, un petit mec qui remplit. Oh, écoutez. Ah, il est là le fromage. Il faut avoir des lunettes, hein, madame. C'est incroyable. Elle a pas trouvé le fromage, il en restait deux avant qu'elle passe à la caisse. Et personne n'a rempli en plus. Spaghetti, c'est trop cher, bah tu mangeras autre chose. Voilà. Ah, ça veut dire qu'il n'y a plus de comté. Ah, ça veut dire qu'il n'y a plus de comté. S'il a mis que 3. Et heureusement que je sais compter plus que 3. Bah, c'est 12. 12 et là, mais que 3. Bah, c'est dans la salle arrière, je pense. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Toujours, on me dérange sans cesse. Si t'as personne qui passe. Allez hop, ça c'est fait. Ah, j'ai pas vu le commentaire de monsieur. Chocolat, le chocolat. Voilà. Oh, ça va. Ça va. Allez hop, pose par terre. Ah, plus de sel. Ah, le sel, je suis sûr qu'il y en a. C'est lui qui est trop lent. Ah non, il n'y a plus. Pardon, autant pas moi. Lumière. Oh, comment c'est joli. Oh là là, mon magasin est joli. C'est dommage que j'aurais bien vu un gris un tout petit chouillet foncé, tu vois. Ah, le thé, ça part vite aussi. Ah, le sucre et tout ça part vite. Hein. Des produits qui partent assez vite. Alors, je sais pas c'est dû à quoi. Est-ce que c'est vraiment dû aléatoire? Est-ce que ça joue en fonction
de chaque journée quand vous voyez des prix augmenter ou baisser, sûrement. Mais par exemple, t'as des trucs, genre ma nouvelle licence, t'as des gâteaux qui partent pas, t'as des trucs, c'est une galère alors que je suis en dessous du marché, quoi. J'essaie de comprendre aussi l'algorithme un peu du jeu. C'est assez complexe. T'as pas trouvé le seul, il est là le seul. Non mais sérieux. Ouais, vraiment plus rien quoi. Il y a vraiment plus rien les gars. Là c'est vide de chez vide. On va fermer la boutique avant que les gens y arrivent. Que non plus, je suis pas là ouvert jusqu'à 22h non plus. Hein, faut pas déconner. Parce que me connaissant, je me suis mis dans un endroit paumé où les transports en commun doivent être restreints à tous les coups. En tout cas, les amis, on va se laisser là. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.